Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour une vidéo et bien réaction. Oui, aujourd'hui nous allons réagir à des parodies d'opening. Le grand Jin Tata. Alors je l'avais juste vu passer vite fait en mème sur Insta, sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas vu ces openings, ces parodies d'opening, je les ai pas encore regardées. J'en ai sélectionné 4. On va regarder ça ensemble. On va réagir ensemble. Je sais pas si cette vidéo sera bien à regarder, mais on va essayer. Bon, ok, ça commence fort avec Hunter x Hunter. Oh putain, c'est lui qui fait les chants, putain. Avec le petit beat qui dépasse. Oh, je m'attendais tellement pas à que ça soit lui qui fasse les voix, le chant. Ah ouais, quand même. C'est du grand n'importe quoi. Oh non, Léo Léo. Ah, il est pas tout seul quand même. Ah, c'est full second degré, j'adore. Ah non, la main pour faire le poiscaille. Mais non. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Quand même, ouais, quand même. Je m'y attendais tellement pas. La vache. Allez, on va passer au deuxième opening. Mais vu ceux que j'ai sélectionnés, je crains le pire. Jojo. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Non. En vrai, ça va. En vrai, ça va. La statue dégueulasse. Je crains le pire à la fin, pour ceux qui connaissent le générique. Ah, les effets low cost. C'est quand même limite épique. C'est quand même limite épique. Ah, il a fait des petits effets quand même, hein. Oh, le cosplay low cost de Jojo. Pauvre Josuke, Joseph. Attention, je crains le pire. Ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Franchement, en vrai, ça va. J'avais un peu peur pour le Jojo. Mais en vrai, ça va. Franchement, limite, j'ai pris du plaisir. Celui-là était bien foutu. J'ai eu peur à la fin pour le Jojo. Mais non, il l'a géré. Il a vachement bien géré du coup. Je trouve pour une parodie, c'est bien foutu. Allez, troisième opening. Dragon Ball, bien évidemment. Attention, je crains le pire quand même. J'essaye de parler un petit peu dessus pour pas me faire strike par rapport à l'intro. Parce que normalement, il chante par-dessus. Donc ça devrait aller au niveau des strikes. Mais quand même, putain, la vache. Oh non. Oh, il a eu le ventilateur quoi. C'est fait main quoi. C'est fait main. Une peluche de Ah non, c'est pas une peluche de Varan, c'est une peluche de Tegu. Ouais, je m'y connais un peu en reptile. La gueule, putain.
Pauvre Tchala et Tchala. Il le tient, il le tient son Tchala et Tchala, il le tient, il le tient. Ah, remarque, il a le cosplay de Lozaru, hein, c'est bon. Et le mec fait quand même plusieurs millions de vues, hein, quand même. Hein. Le gars, il s'éclate et il te fait plusieurs millions de vues, quand même. Ah, la peluche du Tegu pour faire Shenron, quand même, c'est choquant. Hein. La vache. C'est même plus du framponnet, c'est pire que ça, quoi. C'est même plus du framponnet, c'est pire que ça. La vache. Il manque du monde derrière un peu, mais... Voilà. Ah, vous vouliez une dose de bonne humeur, je vous la donne. Ce mec est incroyable, je le connais absolument pas, mais je vais lécher un abonnement, ce mec est incroyable. Ah putain, c'est terrible. Trop bien, trop bien. Allez, dernier opening. Cette fois-ci, on passe sur du plus récent, Jujutsu Kaisen. Ah là, tu vois, il y a la YouTube Money, il y a beaucoup plus de niveaux, là, il y a beaucoup plus de level, attention. Il y a la YouTube Money. Waouh. 200 000 à l'époque, il avait. Je sais pas combien il en a maintenant. J'ai pas regardé encore. Oh non, le panda. Avec un vrai caméléon, il s'est trouvé un vrai caméléon pour faire ça. Pas mal. Putain. Ah, ça tue. Ça tue, putain. Ah ouais. Non, mais il y a mine 2, il y a de la recherche. Il y a de la recherche. Il y a de la recherche, c'est incroyable. Il est énorme, ce mec. Il est énorme, ce mec. Je parle pas de son poids, hein. Je parle de son humour. Il s'est rajouté sur un fond vert mal détourné. Ah ouais, quand même. Ce mec est juste incroyable. Ce délire. Mine 2, quand même, il y a de l'inspiration, il y a du budget. C'est fait. C'est du bricolage pur et dur. Mais en vrai, il y a du budget, j'aime beaucoup. Il a que 228 000 abonnés à l'heure actuelle, alors que ses vidéos parfois dépassent les 5 millions de vues. C'est assez triste pour le noter, mais on va lui laisser un petit abonnement. Voilà, je lui laisse un petit abonnement. Vous l'avez pas vu, on s'en fout. Je vous laisse un petit abonnement. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je ferai peut-être un autre épisode avec d'autres openings que Jintata a fait, ou peut-être d'autres parodies d'openings à venir. N'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant, on se retrouve demain pour une autre vidéo divertissement à 11h. Donc d'ici là, prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.